Et salut à tous les TT, aujourd'hui on se retrouve sur Francisca, donc le jeu sur lequel j'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps, sur les 1 et 2 jours, enfin sur les deux premiers jours en tout cas. Et excusez-moi, je suis un peu enrhumé, ça s'entend dans ma voix. Alors comme vous l'aurez remarqué, j'ai mon tout nouveau micro et je suis vraiment navré. Je comptais vous faire un let's play sur un jeu qu'un ami m'a offert, mais je ne peux pas à cause de mes logiciels de montage qui me pètent les couilles, enfin mes logiciels de capture. Du coup, on va tester ce nouveau logiciel de capture ensemble sur Francisca et nous allons lancer le jour 3. Alors, que necesitas? Que dois-je faire? Ah oui, c'est vrai que c'est les touches anglaises. Je l'avais oublié. On va juste baisser le son pour que vous puissiez entendre ma voix. Voilà, parce que normalement, vous entendez le retour de ma voix. Kenes. Petite fille, calme-toi. Salope. C'est pas rassurant du tout. En plus, j'ai du mal à me déplacer, là. Voilà, j'ai réussi. Bon, on va tout de suite se placer les caméras. Nous avons que 3 caméras cette fois-ci, alors que la dernière fois, on en avait beaucoup plus. C'est encore moins rassurant. Je me sens vraiment pas bien, les amis. Yene me sampa bien. Wo yo 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 yo. Wo yo 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 yo. Allez, on est parti. Après tout, c'est qu'une fillette, elle va rien faire, les gars. Putain, j'ai eu peur. C'était juste la porte. Oh, j'ai eu gavé peur. Bonjour. Il y a entendu quelqu'un taper sur la voiture. Il vous demande d'arrêter, s'il vous plaît. Il faisait une sieste. Bon, allez. On va faire comme si de rien n'était. Voilà. On est un jeune homme courageux. Tout à fait. Hein. Ça s'appelle l'auto-persuasion. Kenes. Écoutez, on va fermer les yeux. Hein. Je me sentirai plus en sécurité, voilà. On va re-rentrer tranquillement dans la maison. On n'est pas pressé parce qu'on a peur de rien. On est des bonhommes, hein. Nous on a fait le Vietnam, l'Algérie, tout le bordel. Hein. On n'a peur de rien. La 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 la. C'est pas vrai. Allez, sur la table, cadeau, d'accord. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va aller gentiment s'ouvrir le petit placard. Qui va être bien sûr notre planque. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite on retourne dans la cuisine. On récupère ce joli petit présent qui nous est offert. Voilà. Si j'y arrive. Et on court au placard. Attends, la mouche. Oh, la mouche sur mon micro, quoi. Alors. Apparemment, elle n'est point ici. Où est-elle? On va essayer de la brain, les amis. On va essayer de la brain. Dès qu'on la voit, genre, quelque part sur une caméra, on va essayer de bouger pour aller ailleurs. Ah merde, putain, je sais pas où aller. Je ne sais pas où aller, puis faut qu'on fasse attention aussi à la peur qui monte de plus en plus en nous. Ouh. Alors voilà, on fait redescendre la peur tranquillement. Elle est pas loin de nous là. Elle est pas loin du tout. Y'a l'antin. Oh la pute. Non. 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 He's not really in what? 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 Je suis où? J'ose même pas regarder, je sais même pas où je suis. Ah pardon, je viens de vous taper là. C'est pas cool. Wouah. Elle nous a pas vu, elle nous a pas vu. Elle ne nous a pas vu. Nous sommes cachés. Les yeux fermés. Je ferai ma gueule aussi parce que là, je chante très mal. Non!
T'as l'air vraiment abruti quand même. Je ne suis pas là. Non, non, non. Merde, elle sait que je suis là apparemment. La salope. La salope. On va faire descendre la peur tranquille. Putain, c'était moins une. Elle nous a trouvé, mais au final, petit brain, comme je vous ai dit. On est passé comme ça sous son bras. Parce qu'elle a essayé de nous attraper, mais on est passé en dessous. Parce qu'on a fait du Krav Maga. Voilà. Et on s'est enfui dans cette espèce de placard en fait. Le problème, c'est qu'elle est juste devant, je crois. Ben non, elle s'est barrée. Wow. Kenneth. Elle est pas là. Non, elle est pas là. Ok. Ok, il nous reste 2 minutes 40 à tenir. C'est la galère, c'est la galère, c'est la galère. Où est-elle? Bon, les amis, on a des couilles. On a des couillus. On sort, on va essayer de se mettre à la salle de bain. Wow, 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 wow. Tu nous as pas vu, tu nous as pas vu, tu nous as pas vu. Oh non. Oh, ça se fait pas. Moi, je dis, ça se fait pas. Non, je suis pas d'accord. C'est un game over de fils de pute. Non, tout à fait. Jour 4, on ne peut pas. Jour 5, non plus. Jour 7, non plus. Alors écoute, petite conne. Hein, on va pas se laisser faire. Hein, moi, je suis pas d'accord. Ok. Hop, voilà. Sauf que cette fois-ci, on va aller se cacher direct à la salle de bain. Voilà. Comme la dernière fois là. On se cache ici et rien ne nous aura. Rien du tout. Hop, on va essayer de garder constamment la peur entre 0 et 10. Et la partie va être super. Ben, 5 minutes comme ça, franchement, dans les salles de bain, à regarder des chiottes et à fermer les yeux, ça va être super. Moi, je vous le dis. Dites-moi, les amis, pendant qu'on se cache, là, j'aurais une petite question existentielle à vous poser. D'accord? Alors, d'après une étude, les oiseaux ne pourraient pas voler sans gravité. D'accord? Enfin, voler à leur guise, hein, aller où ils veulent, etc. Mais à votre avis, une mouche étant plus légère, est-ce qu'elle pourrait voler sans gravité? Aller où elle veut, etc. Être libre de ses mouvements. Alors écoutez, si vous êtes d'accord sur le fait qu'une mouche peut voler sans gravité, eh bien c'est que vous en êtes d'accord, et si c'est l'inverse, ben, c'est que c'est l'inverse. Parce que j'ai pas la réponse. Du coup, je vous laisse dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Si vous en avez rien à... Si vous en avez rien à foutre, hein, dites-le, hein, clairement. J'avoue que c'est une question un peu bizarre quand même. Mais en tout cas, je vais chercher de mon côté, et je vous dirai la réponse dans une prochaine vidéo. Bon alors, entre temps, la petite Jacqueline là, nous a pas trouvé. Je sais pas comment l'appeler, parce que Jacqueline, c'est un peu un cocktail. Nous ne sommes pas là, la 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 la. On fait descendre la peur, on va essayer de pas trop monter, parce qu'en fait je crois que plus la peur monte, plus vite elle va vous trouver. Parce que je crois qu'en fait elle entend nos respirations. Que c'est que ça? Que c'est que ce bruit? On aurait cru, je sais pas, du violon ou... En tout cas la peur est montée beaucoup plus vite qu'avant, avec ce bruit chelou. Voilà, bon, tranquille. C'est redescendu. Voilà. Puis juste après, je vais aller me mater un bon petit film d'horreur, ça va être cool. Non, c'est pas vrai, hein. On a des couilles que en vidéo, les gars. Faut pas déconner. La mouche qui fait le tour du micro, elle s'amuse. Elle vous dit bonjour. Allez, c'est bon, attends. Ils ont compris que t'étais là. Allez, tu t'en vas. Oula. Oula. Je crois qu'elle nous a entendu parler de mouche. Et elle doit pas vraiment aimer les mouches, vu comment elle parle. Mais c'est donc ça, en fait. Elle a cette voix un peu stridente et rocailleuse, parce qu'elle a avalé une mouche. C'était sûrement en faisant du vélo. Et c'est pour ça que la voiture a sonné tout à l'heure, l'alarme de la voiture a sonné. Parce qu'avec son vélo, après avoir avalé la mouche, elle est rentrée dans ma voiture. Et en fait, c'est la petite fille des voisins. Et c'est cette petite pute qui vient nous faire chier parce qu'elle a avalé une mouche. Et elle croyait que c'était nous qui l'avions envoyé cette mouche. Connasse. Déjà, elle abîme ma caisse, en plus elle vient me faire chier en pleine nuit, quoi. Putain. Vous croyez que je peux aller prendre une douche, là, vite fait?
Hop. Ah non, on ne peut strictement pas prendre de douche. C'est super. On va essayer de la brain. Vous êtes chaud? Hop, c'est pas vrai, y'a personne. Comme ça, dès qu'elle rentre dans la salle de bain, on ressort, on l'enferme, on va chercher son vélo, on lui crève les roues de son vélo, tu vois. Comme ça, elle pourra pas repartir. Une fois que c'est fait, on rentre dans la maison, on va démouler un cake. Ensuite, on va se poser devant la télé et on se mate un petit film. Ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on fait ça? Bon, d'abord, il faut qu'elle rentre dans la salle de bain, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors là, je suis en train de me rendre compte que ça fait un peu moins de 4 minutes que je vous raconte des conneries à rester enfermé dans la salle de bain. Donc je pense qu'il va falloir qu'on porte un peu nos couilles et qu'on sorte. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce serait le mieux. Je pense, ouais. Mais je mets longtemps à penser, les amis, vous savez. Bon, allez, vous savez quoi? On va faire redescendre la peur. Et on va courir, courir, courir dans la baraque. Et on va se faire un petit trap-trap avec elle. Vous allez voir, ça va être un trap-trap plutôt cool, hein. D'accord? On va peut-être même aller voir direct son vélo. Wow, je crois qu'elle est juste devant. Jean-Michel la salope. Ah ben voilà, elle s'est calmée. Mademoiselle, attendez, je ferme les yeux, je suis un peu perturbé. Allez, zéro. Mademoiselle, Madame la salope, comment on va à gauche avec... Ah d'accord. Elle ne nous a pas vus. Est-ce que vous croyez qu'on peut courir là? Yolo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tout noir? Oh! J'ai eu une espèce de fausse joie, les amis. J'ai cru voir Game Over en bas. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais pleurer. Mais en fait, non, c'est level complice. Donc on peut être très fiers de nous parce qu'on a réussi à passer ce level en se pissant dessus dans une salle de bain. À rien foutre. Voilà. Raconter des conneries comme d'habitude. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Très bientôt, je vais vous publier une petite vidéo. Franchement, qui en vaut la peine. Hein, normalement. Donc il y a beaucoup de monde qui seront... en collaboration avec cette vidéo. Je vous avais parlé aussi d'une vidéo avec un ami, mais malheureusement il ne peut pas à cause de ses études. Il n'a pas le temps. En tout cas, elle sortira un jour, mais pas pour l'instant. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.